Donc, physiopathologie du globule rouge et physiopathie des amygdales. Bien sûr, pour pouvoir démarrer donc cette partie. Alors, donc toute cette partie, ça va traiter des globules rouges. Alors, bref, rappel, les globules rouges, c'est quoi? C'est quoi les globules rouges? C'est des cellules, sont des globules qui dirigent. Très bien. Durée de vie interne? 620 jours. Et c'est important. C'est important de savoir que la durée de vie des globules rouges, c'est 120 jours, c'est 4 mois. Donc, c'est tout à fait normal après, mais pas tout à fait normal, parce que au-delà des 4 mois, le stock enzymatique, le stock donc, d'équipement à l'IRM comme réserve va être épuisé. Et donc, c'est tout à fait normal qu'il y ait une destruction de ces globules rouges. Donc, l'hémolyse en soi n'est pas pathologique. L'hémolyse, elle est physiologique. Mais chaque fois qu'on va avoir une hyperhémolyse, un excès de destruction des globules rouges, c'est là qu'on va parler de pathologie. Alors, c'est des finesses sémiologiques, évidemment. La hathocartique, comme des définitions, c'est assez hathocartique, la définition d'une hémolyse. Du coup, la destruction des globules rouges. Une fois de destruction des globules rouges, je dis, mais je fais belle géode. Or, tu vas avoir un zéro à la question. Quand tu as une destruction des globules rouges, je vais me dire, mais frappe, c'est physiologique, c'est tout à fait normal. Un globule rouge qui ne répond pas aux normes, voilà, un globule rouge qui a dépassé la période de terme, il doit être détruit. Mais c'est l'hyper-destruction des globules rouges qui me dérange. D'accord? Quand tu me détruis un globule rouge, moi, ma camache, les 120 jours. Ça, c'est du pathologique. D'accord? Donc, ça, si tu me suivais, alors la définition, on dit, zéro à la question, tu n'as pas fait attention aux détails. Donc, le globule rouge, leur durée de vie, elle est de 120 jours. Ils sont synthétisés fils. Essentiellement chez la tête, c'est la moelle osseuse. Mais qu'il a, donc, comme redoubé comme un item de question qui fait vous, comme c'est un adulte, quelqu'un adulte, c'est, donc c'est la moelle osseuse. Mais pour un nouveau-né, pour un fœtus fine, la production, c'est au niveau de la pâte et au niveau des ovocoles. Des ovocoles et des ovocoles. C'est pour ça que dans certaines pathologies, il y a une réactivation des premiers foyers d'hématopoïèse. D'accord? Donc, c'est les sites internes de production, donc Anna, chez l'adulte c'est la moelle osseuse, sinon c'est la rate de foie chez le fœtus. Alors, le lieu de destruction physiologique des globules rouges, c'est au niveau des macrophages de la moelle osseuse. Accessoirement, c'est vraiment accessoire que ce soit la rate et le foie. D'accord? C'est vraiment quand la moelle est dépassée. Et là, ça me posera un problème si jamais les macrophages de la rate et le foie commencent à me bouffer les globules rouges. Si les macrophages ont la rate et le foie, il y a une destruction des globules rouges, qu'est-ce qui va se passer? Allez, je la destruction de la moelle osseuse. Est-ce que vous êtes posé la question? Très bien, c'est tout simplement pour un but économique. Si vous détruisez les globules rouges au niveau des macrophages de la moelle osseuse, ça veut dire que vos stocks de fer ils sont là et vont être réutilisables rapidement. D'accord? Maintenant, il y a un cas de au niveau de la rate, la rate, ça ne change pas. Le foie, pas ça change. Donc, vous allez tomber dans la situation où vous avez vos stocks de fer. Enfin, le stock général y est, mais il est non accessible. C'est quelle catégorie d'anémie, hello? Les anémies ferriprives, c'est quand on n'a pas de stock de fer. D'accord? Soit qu'on a une diminution d'apport, soit qu'on a un excès de fer. Mais mon stock de fer n'est pas dangereux, mais je ne peux pas les utiliser. Très bien, c'est les anémies inflammatoires. Donc, pour les anémies inflammatoires, attendez-vous à ce que le rate et le foie, vous marquez bon, mais vous faites mes globules rouges, et derrière, ce sont mes stocks de fer. Alors, mon globule rouge, c'est une toute petite cellule qui fait 7 microns d'entre le diamètre et qui n'a pas de noyau. D'accord? C'est un petit miracle. Vous avez une cellule qui doit survivre pendant 120 jours, mais elle n'a pas de noyau. Ça veut dire que même si elle a la moelle osseuse, elle a le programme interne, elle a l'équipement enzymatique interne, ou elle a la façon de survivre. Elle doit survivre. Donc, elle a le cahier de bord interne comment survivre, mais pendant les 120 jours, elle a un des instructions. Si jamais il y a un problème externe qui va survenir, elle ne peut pas se réparer et elle va être détruite. D'accord? Donc, une membrane cytoplasmique, sa membrane n'est pas particulière, c'est comme toutes les membranes de toutes les cellules, d'accord? Et puis, dans son cytoplasme, je torche avec ses réserves de 4 mois. Donc, il y a les réserves en enzymes, ses réserves en liant, mais après, il y a un programme qui peut être analysé en terre, ou il y a du glucose. Je termine le glucose. C'est pour sa chair, d'accord? Le globule rouge, c'est une cellule aérobie ou la anaérobie? Anaérobie. Sinon, si elle est aérobie, qu'est-ce qu'elle va faire? L'oxygène, elle est très haut, elle va l'utiliser. On va avoir des problèmes au niveau des tissus périphériques. D'accord? Donc, pour que cette unité de globule rouge puisse être fonctionnelle, il faut que ma membrane soit intacte, il faut que mon stock enzymatique, mon hémoglobine,
et tous les autres ions et HIV soient déjà présents au niveau donc, de ce globule rouge. Donc, c'est pour ça qu'on va étudier donc, premièrement la membrane, et puis les équipements enzymatiques et les hémoglobines. De là vont découler toutes les pathologies. Alors, la membrane, on n'a rien de particulier. C'est comme toutes les cellules. D'accord ? Donc, une double couche phospholipidique, des glycoprotéines qui sont enchâssées et des protéines. D'accord ? Les glycoprotéines, donc je forme l'archer, elles ont certaines particularités, et les protéines. D'accord ? Et ça sert à quoi cette double couche phospholipidique ? Allez, j'en ai une double couche phospholipidique. C'est qui m'a l'air On a besoin de cette couche phospholipidique, elle est mobile. Ça va permettre à ce globule rouge, rappelez-vous, elle est taillée en 7 microns. Alors, il est obligé de passer dans des vaisseaux qui font 2 microns. Et il est obligé, je ne sais pas, de faire des autoroutes qui mènent là-haut, qui fait 1 cm et 2 cm de diamètre. Donc, en fait, avec une membrane phospholipidique, elle dit que la structure, elle est très légère, déjà très calme, elle peut glisser. On va voir surtout, grâce au réseau donc, de glycoprotéines qu'elle va posséder, et surtout les protéines intracytoplasmiques, elle peut résister donc, à toutes ces pressions. Alors, mais voilà donc en schéma. Alors, vous avez donc réduit la double couche phospholipidique, et puis vous avez donc ces protéines, toutes ces protéines-là. Alors, ces protéines, elles sont collées les unes aux autres. D'accord ? Alors, elles sont collées aux unes aux autres, surtout qui fait la liaison. Donc, on a connu la bande de 3, qui est une bande très importante. Les nerfs, tout ça, fait la protéine 4.2. Tout ça, fait l'empyrine, fait les spectrines entre les chaînes alpha et les chaînes bêta. Surtout les chaînes alpha et les chaînes bêta de l'esprit, par exemple, l'esprit fait les autres process. Tout ça, parce que quand les protéines elles vont bouger en ensemble. Donc là, vous devinez, si on a un déficit en enquérine, ou un déficit fait une des chaînes de bêta-spectrine, ou elle a fait la bande de 3, on va avoir un problème au niveau de la mobilité de ces protéines. Mobilité au niveau de la double couche phospholipidique, il va y avoir un peu ça. Ça fouche une pathologie juste pour mémoire, où on a une anomalie de bande 3. C'est ce bien, les patients, évidemment, dans ce groupe pour résus le col, qui sont des résus nuls. Col, mais le groupe s'engage, hein, et tu as A, B, mais vous avez le résus D standard. Le résus D, vous avez le résus RHC, grand C, petit C, grand E, petit E, ça me lâche, d'accord ? Avec le col, tout ce complexe-là, je te réveille à la bande 3. L'ENE doit être exprimé pour très bien. Donc les personnes qui sont résus nuls, qui sont des personnes qui sont très très délicates dans leur prise en charge, avec des tas de pathologies derrière, ben on y chante, mais on la bande 3, d'accord ? Y compris la bande, il y a la glycoane, les glucophorines C et D, et donc, entre autres, c'est une des protéines, les chez eux, les antigènes A et les antigènes B, d'accord ? Alors là, je vais te connaître, tu es le gène A ou gène B, tu vas produire l'enzyme A, tu vas produire l'enzyme B, et tant que moi, dès que le substrat en bouillon, je le sais pas, il va y avoir un problème. Donc toutes ces protéines, elle a son importance. Alors, les voilà également Rony, donc en image. Donc, Rony, vous avez la bande 3. Donc, Rony, un des créneaux, les chaînes glycoprotéiques autour sur lesquelles on va coller nos antigènes. Et puis, vous voyez, donc, Rony, la finesse de liaison binette. Rony, à votre stade, comme question, à votre niveau, résident, tout ce qu'on peut vous poser, c'est en fait SMI, les chaînes, SMI, les protéines. D'accord ? Ils nous parlent comme les protéines. Hein, donc, la bande 3, l'empyrine, les spectrines alpha et bêta et la protéine 4.2. D'accord ? Après, l'échange peut être le chimie, ça va être autre chose. Donc, ça va être un peu plus poussé. Ben, l'équipement enzymatique. Alors, on a comme équipement enzymatique. On a une cellule qui est comment ? Aérobie, anaérobie ? Anaérobie, très bien. Donc, vous devinez que là, voilà donc la chaîne principale qui va partir à partir du glucose. Je disais tout à l'heure que la cellule, elle va partir avec son stock de glucose et qu'elle va être l'enzyme clé. Qu'elle va utiliser l'enzyme clé. C'est la pyruvate kinase. D'accord ? Alors pourquoi la pyruvate ? Donc, rien de plus glucose. Une partie, donc vous voyez, 90% de ce système va être donc dégradé en triose-triphosphate. On va récupérer le NADH. J'ai un lobby de NADH. Donc, je vous dis, oui, l'oxydation, j'en oublie, c'est pour protéger le globule rouge contre l'oxydation. Vous avez le seul charme de l'ADH, le complément va attaquer le globule rouge, je crains qu'il n'est pas chaud. D'accord ? Ça sert à la protection du globule rouge contre les agressions extérieures.
Si c'est une parenthèse, mais je te bête comme il a mal dit NADH, c'est un globule rouge qui va devenir fragile à l'action du complément. C'est une maladie. Dans la troisième année, chez moi, c'est l'hémoglobinurie nocturne ou paroxystique. D'accord? Le globule rouge devient fragile à l'action du complément et il éclate. Il ne peut pas produire ça. D'accord? Et puis, accès à la NADH, elle est c'est de l'ATP, puisque le globule rouge il doit fonctionner, il a besoin de l'énergie. D'accord? Donc, la voie principale d'un Bedenbayerhoff, l'enzyme clé, c'est la pyruvate kinase, et elle sert à quoi? Oui, l'enzyme clé pyruvate kinase, c'est pour récupérer de l'ATP. Mandish pyruvate kinase, ça veut dire mandish ATP, ça veut dire que c'est un globule rouge qui ne peut pas fonctionner. D'accord? Mandish chessant, tu ne peux pas fonctionner. Alors, donc là, ce que vous devez retenir, l'année, la voie principale, pyruvate kinase et ATP. Ok? Alors ici, c'est un autre schéma, c'est juste pour vous montrer la même chose. Donc vous avez le glucose-6-phosphate, donc vous n'y avez la G6PD, d'accord? Pour donc faire sortir les triose-phosphates et le NADP. On va récupérer quoi, Mbouni? Je rajoute le NADP. NADP, vous voyez NADPH. Là, je relève. Donc on est quand même à la voie principale. Donc je me trouve à la voie accessoire. D'accord? Alors que la voie accessoire, là vous avez le glucose-6-phosphate pour récupérer votre NADPH qui va servir à protéger le globule rouge. Vous n'y là, c'est plus de la première année. Alors, monsieur, c'est juste comment le métabolisme. Les questions varient. Ou en général, il y a beaucoup de questions. On n'insiste pas trop, de toute façon, comme le physiopathe, on prend cette rétro. Et que je t'arrête l'offre, je vais les révisions. Je ne sais pas si je vais savoir ce qui est. Elle est hachée, je vais faire mon Il me tarde que tu fasses que la voie principale, HTP, kinase, ATP et unité NADH, et que ça c'est 90% de la voie, et que dans 10% des cas, le glucose 6 phosphate. D'accord? C'est le message clé, et il y a beaucoup plus d'autres. Et de toute façon, il y a très peu de questions sur cette partie-là. Donc, on estime que c'est de la fondamentale, je veux dire, à moins que les larves et les larves du fondamental HR. Mais vous allez voir, plus on a, on va avancer mon bac, plus on face à l'ambiance fondamentale, face au bac, je vais vous montrer tout ce qui est mécanisme d'anémie, tout ce qui est hémoglobinopathie, tout ce qui est interprétation d'électrophorèse d'hémoglobine. Voilà. Ben, donc, vous n'y la voie, donc la voie principale, vous n'y la voie accessoire, t'as le glucose-6-phosphate, donc l'enzyme terre a rien, la G6PD. Et qui fait d'un indice chez la G6PD, chez la pathologie? D'accord, c'est une anémie qui est comment? Hémolytique, voilà, non hémolytique. Hémolytique, très bien. Donc, là voilà, vous voyez, pareil. Donc, vous avez cette voie accessoire qui va utiliser le G6PD. Vous n'êtes donc rien de que l'enzyme TH, le NADH. Donc, vous n'êtes pas le voir, pour résumer, je vous dis que c'est la voie principale et l'état de majorité. Je n'ai l'enzyme TH, toujours le produit de rejet. Voilà. Après, donc, le tradéo, la fameuse hémoglobine. Vous n'êtes, on va tarder un peu. La fameuse hémoglobine. Alors, c'est quoi l'hémoglobine? C'est la constitution principale des globules rouges. Alors, il sert à quoi essentiellement? Il sert à transporter tout ce qui est pigment respiratoire. C'est essentiellement l'oxygène, mais également, là, on a pris bien l'hémoglobine, puis j'ai jamais le CO2. Donc, si jamais il y a de l'oxygène, mais elle jarge le CO2, ça va avoir, on va avoir un problème. D'accord? Alors, fine, elle a synthétisé l'hémoglobine. C'est là où synthétisé le globule rouge, au niveau de la moelle osseuse. Mais fine de d'art au niveau de la moelle osseuse, c'est au niveau du noyau ou la cytoplasme. On va le voir pour les diapolymbas. D'accord? Donc la synthèse, elle va se faire essentiellement pour les érythroblastes. D'accord? Enfin, que l'on les érythroblastes? Érythroblastes, les polychromatophiles, les basophiles, les polychromatophiles et l'acidophile. Alors, il y a deux rangs pro-érythroblastes. Enfin, que l'on les érythroblastes? Donc, déjà, pro-érythroblastes, basophiles. Donc son cytoplasme il est bleu, il est bleu foncé. Plus il y a mesure qu'on avance vers le produit final qui est le globule rouge, son cytoplasme il est de couleur orangée, d'accord, rouge orangé, et c'est dû en fait à la synthèse de mon hémoglobine, parce que c'est un produit qui est acide, il va acidifier le milieu car il y a un changement de couleur, d'accord. Donc la synthèse elle se fait au niveau de les érythroblastes, au stade de réticulocyte, et c'est quoi le réticulocyte? C'est la cellule, c'est le globule rouge qui a expulsé parce que ça, il a eu un radoto. Et c'était quoi un radoto? Il avait lui codé, donc il avait le programme, chaque fois qu'il a eu un radoto, une fois qu'il a eu un radoto, j'en ai plus besoin. Il va être éjecté. D'accord? Et c'est ça le réticulocyte. Alors, voici l'unité d'hémoglobine. Alors, je vois que le compétiteur de l'unité d'hémoglobine, c'est que c'est un tétramère. C'est-à-dire que c'est une association de deux chaînes.
de type alpha avec deux chaînes de type bêta. Avec deux chaînes alpha et deux chaînes bêta. Deux chaînes de type alpha et deux chaînes de type bêta. Alors, le type bêta, vous avez plusieurs variantes. Le type alpha, vous avez deux variantes. D'accord ? Le type alpha et bêta. Type alpha et deux chaînes de type bêta. Et leur association, elle est très particulière. Alors, dites au lernais. Alors, on va mettre alpha ma alpha. Il y a toujours le couple ici, il m'a dit les alpha, alpha, bêta, alpha, bêta. Mais je vous cherche comment va. Leur constituant principal fait de telle sorte qu'on ne peut pas les faire peu. Alors, cette molécule, cette grosse protéine, on va la voir, c'est une structure quaternaire. On va aller voir les différentes étapes de formation de cette protéine. Alors, qu'est-ce qu'on remarque? Alors, au milieu, on a le 2-3 DPG, on va voir, il sert à quoi. Et puis, vous avez chaque unité, qu'est-ce qu'elle porte en son centre? Dernière chose, je l'aime. L'aime. L'aime, je l'aime, je l'aime. L'oxygène. Qu'est-ce qu'en fait, je mets la molécule de fer, quand elle fait, elle est allée, là ça l'oxygène. On dit une unité de fer, mais j'aime mettre l'oxygène, j'aime mettre ça. D'accord. Et le fer, c'est un fer ferreux ou un fer ferrique? Ferreux. Ferreux, très bien. Est-ce qu'on peut avoir du fer ferré? Oui. Et ça veut dire que c'est pathologique, d'accord? Fer ferreux, je le nomme. Une couleur rouge ou le fer ferré? Marron, c'est couleur chocolat. D'accord. Alors, en général, le prélèvement, le prélèvement, chocolat, c'est que vous avez en face de vous quelqu'un qui a un problème au niveau de son hémoglobine et que son fer, il est allé de 1-3 plus. Quelle est couleur de chocolat? Fer ferreux, c'est couleur de argon, c'est la couleur de l'oxygène. Alors, on y va. Donc, on va reprendre en détail la synthèse de ces chaînes-là. Alors, vous allez voir, donc, juste comme je suis allé voir, comme nous, c'est extrêmement rare. Alors, à la banque de données, quand je trouve que les chaînes embryonnaires ou chaînes spatioles, les états font bien les chaînes adultes. Les combinaisons par les chaînes adultes, mais donc, c'est juste pour mémoire. Alors, les chaînes de type alpha. Alors, fait les chaînes de type alpha, là, vous avez différentes gènes. Alors, vous avez le zeta, et puis vous avez les chaînes, donc, oméga, et puis vous avez les chaînes alpha qui existent sur le chromosome 16. Alors, sur les chaînes de type bêta, alors vous avez les chaînes epsilon, vous avez les chaînes gamma, et puis vous avez les chaînes delta et les chaînes bêta. Alors, je tourne les changements de couleur, donc, un de poignée wahda, sni, tlèta. On est un de wahda, et des poignées wahda, on est sni, tlèta. Ça correspond en fait aux commutations, aux étapes de switch. Alors, quand on fait l'alpha, ça va être dans la vie embryonnaire les premières semaines. Et puis, rapidement, ça, c'est la vie fœtale, et ça, c'est adulte. Alors, phénotype bêta, là, vous avez la vie donc, fœtale, embryonnaire, fœtale, et là, c'est l'adulte. Alors, ce que vous devez retenir, entre autres, que les chaînes de type alpha, on va avoir deux gènes. On va avoir deux gènes par chromosome. In fine, quand on va avoir deux chromosomes, on va avoir quatre gènes. Et ça, ça va vous expliquer, allez, sur le plan clinique d'une part, les alpha-thalassémies, elles sont myotolérées cliniquement. Quand tu as quatre gènes, tu as un gène de l'hérédité, deux gènes de l'hérédité, tu as 10 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 gènes de. Donc, quand j'ai deux chromosomes, on a dit un gène et un gène, si vous avez un gène merdeux, bah, l'air, il n'y a pas de souci, j'ai. Mais si j'avais l'air des masses, on va avoir un énorme problème, il n'y aura pas de relève. On a dit, je connais les années. D'accord. C'est pour ça que la bêta-thalassémie, elle est beaucoup plus, elle est plus répandue, d'accord, et elle est plus parlante sur le plan clinique. Alors, voici donc leur répartition donc, avec les schémas internes. Donc là, vous avez, vous voyez, chaîne Zeta, elle est à la vie, vraiment. Vous voyez, c'est 6 semaines d'aménorrhée. Donc, rapidement, elle disparaît, la chaîne de type alpha. Et puis, je te rajoute la chaîne alpha interne. D'accord. Et puis, sur les autres chaînes, alors vous avez la gamma. La gamma qui est une des caractéristiques des chaînes de la vie fœtale. Donc, à la naissance, elle va disparaître. Ou la relève, elle va être par les chaînes, prise par les chaînes de type bêta. Et puis, vous avez reni les chaînes de type gamma. Alors, chez ma rédé, une fois que c'est une suite, je vais en tête que toutes les hémoglobines, elles y a un des plus cool.
Alors, l'association, c'est dit alpha-gamma. C'est quel type d'hémoglobine? Alpha-2, gamma-2. Très bien. Ah, surtout, c'est l'hémoglobine fœtale. Rien que les 14 avaient été sur la période fœtale. Vous avez l'alpha-2, gamma-2, RIA, majoritaire. Et puis, vous avez l'alpha-bêta, le couple alpha-2-bêta-2, qui est la fameuse hémoglobine A chez un adulte normal. Donc, in fine, فالاخر اللي باش نمشيو نحنا عندنا دو ليموغلوبين ادولت اللي هي الالفا 2 بيتا 2 داكور هذه هي مال بارتي انتر 97 à 98% داكور دو تو ديموغلوبين شي لو غلوبول روج اي بي فو دافي ليموغلوبين فيتال اللي هي الفا 2 جاما 2 هذه قداش تبدا 1% داكور مي ساعات باش تطلع على فاغ اون باثولوجي باش تطلع على خاطر هي وقت اللي انا لشان دو تيب لشان دو تيب بيتا يرخو ما عادش عندي هذا يولي يطلع لي جاما علاش على خاطرهم كلهم شان دو تيب بيتا فهمتني عندها الغولي هي كان ترا قدرت خاطر ما عادش حاجه هذي خاطر خذات الغولي مي سي جامي البيتا ما تخدمش تعاود تبدل الجاما تخرج لي دو ليموغلوبين اف داكور اي بي شنو هي لا ترازيام اللي قاعده تخرج من هنا الفا 2 الفا 2 هذه قداش الوغ هذه تلقاوها سا ديبون دي دوكيومون انتر 3 و 3.5 دونك سو كي سور يقول لك انفيريور ا 4% اوكي دو فاصون ديما حتى كي مشي سالت عليها علاش فما دي فاريون انتر 3 و 3.5 على خاطر انت واللابوراتوار تخدم عليه فتا واللابوراتوار يعطيك لي ليميت الوغ هذيك vous allez voir que l'A2 elle est très importante خاطر سي تيل كي va nous signer le diagnostic du but à passer. Que à deux de là, vous êtes sur un bêta thalassémie. D'accord? Alors, donc, pour résumer, sur la vie, donc, sur la vie embryonnaire, vous avez donc, l'hémoglobine d'or 1, d'or 2 et portland. Maintenant, sur l'hémoglobine fœtale, à mon avis, elles ont côté informe axermélié, et donc on s'en fout. L'hémoglobine fœtale, vous avez hémoglobine F, alpha 2, gamma 2, majoritaire. D'accord? C'est une hémoglobine qui va transporter l'oxygène, elle est hyper affine et elle transporte bien. À la naissance, petit à petit, l'hémoglobine F, donc plutôt, elle commence à descendre et vous avez l'hémoglobine A qui fait 15 à 40%. Alors, c'est ça, quelque part, qui nous explique pourquoi à la naissance, le bébé, venir sur le net, donc vous avez l'A2 mal gamma 2 et vous avez, enfin, vous avez l'alpha mal gamma, vous avez l'alpha mal bêta. Le bébé qui est tout le temps de chambre, l'hémoglobine. Avec 6 millions de globules rouges parce que عنده هذوما الاثنين كلهم معناتها اللي عنده الالفا جاما وعنده الالفا بيتا شوف الالفا الاف نتاعو قداش طالع وشوف الام نتاعو قداش طالع دونك عنده سوفيزامون دو غلوبول روج وقاعد السويتش قاعد يبدل فيهم فهمتني هذاك علاش توتا في نورمال كون ني ان تو دي الفي دونك دي موجبين هسيت بيريود لا لو طون كي راه تحرم فهي دي غروس يا دي دونك دي نوفو ني يقعدوا لي حتى 2 موا pour avoir donc, la répartition adulte, le format adulte, au format libre à une semaine, à deux semaines, fait ni coup le bébé qui fait chez les variantes, le père qui fait chez les variantes évoluées, pour avoir donc, la répartition de l'adulte. Nous-mêmes, nous collons à l'âge de 6 mois, fait ni, ils ont une coune entre, ils ont une coune entre, donc, l'AM TEH, ils ont un 98%, ou l'A2M TEH, on fait 3%, ou l'F, ils ont un partie 1. D'accord? Ben. Alors, vous n'y juste une parenthèse, madame, on a un fait chez ma hédé. Le bébé est toulade. Dès qu'il est toulade, et je fais une électrophorèse. Dans certains pays, ils font une électrophorèse de l'hémoglobine. À la recherche de l'hémoglobine A. Pourquoi? Il y a un dépistage juste là où je regarde l'hémoglobine A ou B. En général, c'est les pays qui sont endémiques et qui ont un bâche des hémoglobinopathies. En général, ça a là où je fais les pathologies hétérozygotes, homozygotes, tout ce qui est bêta-thalassémie et drépanie. Enfin, vous voulez dire que c'est pas ça, mais c'est tout ce qui est bêta-thalassémie, allez. Alors, khatir, tout simplement, c'est que dès qu'il tout l'a dit, il y a de l'alpha 2, bêta 2, donc il y a le bêta 2, je m'en ai dit, c'est que je ne suis pas, c'est pas un bêta 0. Il y a une synthèse, même si elle est minime, femme la synthèse de chaîne bêta, mais ni je sur le format homozygote. Qui est hétérozygote, vous allez voir que c'est quelque chose qui est atténué, récupérable. Les homozygotes, c'est difficile. Comme il y a une forte endémie dans les états homozygotes avec tout ce qui est complication d'homozygote, il y a une transfusion rapidement. Il y a un dépistage,
يغسلوش برشا ديريكتومون يمشيو يلوجو لي كان عندهم تراس كلشي حتى 5% ديال الفيتامين ا يا با سوسي ما تقلقهمش 5% خاطر ديبي دو سانتيز سافو دير كو رادي ما عنديش طون كونتي فوالا Alors, Bouni, alors sur ce schéma, il va tout résumer. Donc, sur la période embryonnaire, vous avez donc l'hémoglobine DOR1, DOR2 et l'hémoglobine porte 1. Alors, le fœtus, c'est que de l'hémoglobine F majoritairement, donc l'alpha 2, gamma 2. À la naissance, vous avez coexistence interleucine, alpha 2, gamma 2, alpha 2, bêta 2. Donc, avec le F à 80% et l'hémoglobine A à 20%. Surtout ce profil-là kinétique, F à 80%, hémoglobine A à 20%, on peut interpréter. On a dit l'âge. Deux diagnostics, vous pouvez les évoquer. Elle est bon, ma? Où vous êtes face à un nouveau-né? Voilà là. Est-ce que ça, c'est une bêta-thalassémie? Oui, ça peut coller avec une bêta-thalassémie hétérozygote. On est en un troisième diagnostic. Hata pour une bêta-thalassémie, le A talhabaché. Et quand je vois en bas, qu'il y a tout là. Ça, ça colle avec un diagnostic qui est la persistance héréditaire de l'hémoglobine F. J'ai certains patients qui ont été les buts, les bêta-mères, ils vont garder l'hémoglobine F et ça peut coller avec le tableau d'une persistance héréditaire de l'hémoglobine F. C'est mieux toléré que les bêta-thalassémies. Après, cliniquement, il y a des gens qui ont des splénomégalies, mais après, j'ai des besoins transfusionnels ou quoi. Donc, tu as une électrophorèse, tu as un profil bien sur les bêta-thalassémies, or cliniquement, ça ne colle pas. Dès qu'il y a le message clé du mec qui passe, alors on n'interprète jamais. Une électrophorèse d'hémoglobine mahal. Donc, la clinique. Maintenant, tu examines les malades théâtres. Et si vous avez des suspicions sur le plan anamnèse, interrogatoire, vous avez des suspicions sur le plan clinique, pourquoi vous avez l'électrophorèse d'hémoglobine? Moi, je suis venu dans le mari pour que l'électrophorèse soit structurelle. Petit, il y a des petits héliques. Et là, je m'appelle quand vous avez des mâches là, je ne sais pas les bêta thalassémies, ou tant c'était les bilans de l'exploration de la thalassémie, comment on fait la thalassémie. D'accord? Donc, toute la crédibilité face à votre malade, Donc, Huni, qui article l'électrophorèse, premier réflexe. Genre, faire moi là tout ce blâche. Faites-nous, on va que je plaque les lignes, je t'arrive là. Est-ce que vous êtes sur une bêta-thalassémie? D'accord? Ou est-ce que vous êtes sur une persistance héréditaire de l'hémoglobine F? Ou est-ce que vous bêta-thalassémie hétérozygote ou homozygote? Allez, hétérozygote. Quelle est homozygote? Si vous avez deux gènes qui sont touchés, mais les deux gènes qui sont touchés, je m'arrête à la micro-mouche. Et là, je me trouve une silence de micro-mouche et ça va être la bêta-0-thalassémie. Bêta-0-thalassémie, vous avez de l'hémoglobine. Mais le bêta-plus-thalassémie. Bêta-plus, tu peux avoir donc, des résidus d'hémoglobine acclimatée. Homozygote. C'est défini, c'est très délicat tout ce qui est interprétation d'hémoglobinopathie, car les كيفاش يسالو كم على فوتر نيفو في الزيدانا فيت ما تشدوش لو جي لي كتب تو كيمي وتبحروا معاهم فهمتني سي لو بي ا با اي لو ستريكت مينيموم اي لي ميساج كلي اللي لازم تعرفو فهمتني مع سي سي ان دومين فريمون ا با دونك هوني في هذايا ا سوستاد لا فهمتني شو با كابابل باش نقول لك انا سانسيرمون اسكو جو سوي سور ان بيتا زيرو ولا ايه ما فا لا جو سوي سور كو سي با ان بيتا زيرو مادام عندي تراس دو ا فهمتني مي ما نجمش نقول لك اسكو لي دو جين سون توشي ولا ان سول كي توشي Deux gènes qui sont touchés, mais je parle de deux gènes qui sont touchés. Les deux gènes sont touchés, mais avec une production à minima. D'accord? Donc, l'hémoglobine F, nouveau-né, donc majorité d'hémoglobine F à 80%, hémoglobine A à 20%, et puis à un an, d'accord? On arrive au format adulte. Vous avez de l'hémoglobine A, donc 96, 97, là je comptais que ça a peut-être la hâte à 98, et tu au laboratoire, un tapou ou les critères de terme. L'hémoglobine A2, par définition, ça m'a inférieur à 3,5 ou à 4, il n'y a pas de piège. Pas de piège, ta femme, 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 un cas d'électrophore à l'hémoglobine interprétée, c'est une fois que les normes internes. Ta femme, ta qui fait irdem à laboratoire, elle est norme interne, 4 fait 3,5, qui est artini 4. Non, pas de bêta-thalassémie. Moi, je l'ai rate. Parce que dans les laboratoires, elle est normalement en tête, fait 4%, car ça dépend de la technique à l'air de l'air. Qui est dans les 3,5, mais c'est ce que j'ai fait. Ok?
permet de donc de l'hémoglobine F inférieur à 1%. Ok. Donc Houni, les objectifs interprises. Donc Taraf, c'est cette répartition adulte avec maintenant grossièrement les pourcentages, majorité de A presque 97-98, elle A2 mais 3-5-4 et l'hémoglobine F inférieur à 1%. Et que là c'est un nouveau-né, donc majorité de donc nouveau-né, F majoritaire.